Ce matin, je veux dire merci au Dieu de Kabod parce que j'ai vu la main de Dieu à Kabod. En 2016, après une IRM, on m'a détecté une endométriose. Et le professeur qui me suivait m'a dit pour il n'y a pas de soins en tant que tel, il n'y a pas de traitement. Soit on fait le traitement radical, c'est-à-dire une ablation de l'utérus, ou bien on va me mettre en ménopause précoce pendant au moins une période pour voir comment l'endomètre allait réagir. Et ma patronne avec laquelle j'étais en 2016 m'a dit que c'était trop radical l'ablation de l'utérus, même si j'avais déjà deux enfants. Donc j'ai décidé de me mettre en ménopause précoce pendant au moins un an pour voir comment la maladie allait évoluer. Et après ça, après les un an, je suis allée revoir le professeur. Il m'a dit que bon, maintenant c'était une dystrophie ovarienne polymyomateuse. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs myomes dans l'utérus. Et j'avais envie de faire un enfant. J'avais envie de faire un autre enfant. Et ma sœur, vraiment je bénis Dieu pour sa vie. En 2021, c'est-à-dire le jour de la retraite spirituelle de décembre, le thème c'était la restauration. Elle m'a invitée. Je lui ai dit, franchement ma chérie, je n'ai vraiment pas envie de venir. C'est vrai que je ne travaillais pas, mais je n'avais pas envie de venir. Je lui ai trouvé toutes sortes d'excuses. Je lui ai dit, j'avais pas d'argent. Elle m'a dit, j'ai payé déjà pour toi. Je lui ai dit, ah, c'est loin, Yamoussoukro. Elle dit, je vais te déposer gracieusement. Je viens te chercher et je te dépose. Et ensuite, quand on va finir la retraite, je viens te redéposer chez toi. Je lui ai dit, mais mon fiancé va pas vouloir. Elle dit, attends, je te rappelle. Elle a appelé automatiquement le fiancé aussi. Au lieu de dire non, il dit, mais ça fait de Dieu un peu parti. Me voilà dans la voiture de ma soeur à Abidjan, Yamoussoukro, pour venir à la retraite. Franchement, je n'avais vraiment pas envie de venir. Ça fait que mes bagages même pesaient au moins 15 tonnes dans ma main, tellement je n'avais pas envie de venir. Quand je suis venue, franchement, c'était très bien. Ça m'a fait vraiment du bien. Et le dernier jour, papa, il a dit, tous ceux qui sont malades, venez. Bon, moi, franchement, je ne me sentais pas concernée par tout cet appel-là. Et ma soeur m'a dit, toi, tu n'es pas malade? J'ai dit, bon, non, je ne suis pas. Enfin, elle m'a dit, va, on va prier pour toi. Je me suis encore levée. Et je me suis mise dans le rang. Il y avait tellement de personnes. Arrivé à mon tour, papa m'a dit, m'a demandé, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, papa, je veux faire un enfant. La médecine dit que je ne peux plus en avoir. Donc, je veux faire un enfant. Il a ri. Il a fait une petite prière pour moi. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Dieu va faire. Tu vas saigner, mais sache que ce n'est rien. Bon, moi, je me suis dit, bon, toutes les femmes saignent pendant le moment des menstrues, excusez-moi. Donc, c'est tout à fait normal. Quand je suis rentrée, après la retraite, j'ai constaté que j'avais un retard. Bon, je me suis dit, bon, c'est comme d'habitude, c'est juste un retard. Et bon, le Saint-Esprit m'a dit de faire le test. J'ai fait le test et les deux traits sont sortis. Mais je n'y croyais toujours pas parce que c'était pas la première fois que je voyais les deux traits. Je suis allée faire une écho. On m'a dit effectivement que j'étais enceinte. J'ai béni le Dieu de Kabod. Quelques temps après, c'est-à-dire une semaine après l'échographie, j'ai commencé à saigner. Quand la Bible dit « Écris la prophétie afin de la lire », ce n'est pas un mensonge. Franchement, j'avais complètement oublié ce que papa m'avait dit. Et ma sœur m'a rappelé. Elle m'a dit « Tu te souviens à la retraite, papa avait dit que tu allais saigner. » Je me suis accrochée à cette parole. Parce que papa a dit que j'allais saigner, mais que ce n'était rien. J'ai saigné pendant au moins une semaine au moins avec des caillots. Pour moi-même, la grossesse était passée. Le médecin m'a dit de rester couché, de ne pas bouger
que si c'était comme il sait que j'avais envie d'avoir un bébé, il dit on va essayer de sauver la grossesse. Je suis restée couchée pendant, sous perfusion pendant un bon moment, en m'accrochant à la parole de papa qui avait dit que ce n'était rien. Et après les une semaine, je suis allée faire une autre échographie. On m'a dit tout est ok, mon bébé est toujours là. Et après ça, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je veux dire merci à Dieu parce que depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, je rentre dans mon sixième mois de grossesse. Moi qui ne pouvais pas faire d'enfant, aujourd'hui, je suis à mon sixième mois de grossesse. Et depuis le mois de mars, c'est vrai que je suis fonctionnaire, mais je ne travaillais pas, je n'avais pas d'affectation. Et Dieu m'a vraiment restaurée. J'ai été appelée pour un poste à Yamoussoukro, dans une grande école ici à Yamoussoukro. Et je me suis mariée. Donc je veux bénir le Dieu de Capote, parce que j'ai été vraiment restaurée. Et je veux t'encourager, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui me regardes, je veux te dire que Dieu agit encore. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit les choses au hasard. Quand il dit, il le fait. C'est vrai que le temps passe, tu vois le temps passer. Mais s'il a fait pour moi, je peux te rassurer qu'il pourra le faire aussi pour toi. Et je veux t'inviter aussi à cette retraite. Ce mois-là, il y aura la retraite, la restitution. Les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Quand Dieu donne le thème, ça veut dire que quand tu vas participer à cette retraite, tu auras restitution aussi. Comme moi, j'ai eu ma restauration. J'ai été restaurée dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon travail et dans mon bébé, avec mon bébé. Donc, je veux t'exhorter. Je veux t'exhorter à croire encore que Dieu peut faire. Le Saint-Esprit peut agir. Et Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort en vain. Il va le faire pour toi aussi. Donc, soyez tous bénis. Je bénis la vie de Papa Ila. Je bénis la vie de ma sœur qui m'a invitée. Et je bénis tout le peuple de Capote. En tout cas, vous êtes à la bonne place. Que Dieu vous bénisse. Amen.